Les amis, on est reparti pour l'épisode 2 de Zookosis. On reprend l'aventure. La dernière fois, on avait été dans l'enclos des girafes et des gorilles. Et on s'était laissé sur une scène un peu chelou. On avait une femme complètement walp qui apparemment va servir de bouffe. Allez, on reprend l'aventure. Donc, on est reparti, les amis. Oh là, c'est horrible. C'est horrible. Je suis désolé, meuf. Je suis désolé. On m'a pas laissé le choix. On m'a dit que je devais exécuter tout ce qu'on me demandait. Ah oh là là, en plus j'ai trop peur à imaginer. Genre, ça a l'air d'être un truc tellement sérieux qu'il serait capable de s'en prendre à ma famille en vrai de vrai. C'est bon là, j'ai fait ce qu'il fallait. Oh là là, donc j'ai broyé cette pauvre femme et elle va servir de viande. Regardez ça. C'est ça les paquets de viande. Et dites-vous que ma femme et mon gosse ont mangé cette viande là. C'est horrible. Bon, ça tombe bien parce que du coup, on avait besoin d'un péristoc de viande. Donc là, c'est fait. Bon, et ben on va faire comme si c'était tout à fait normal. Et on va sortir le chariot pour pouvoir aller ouvrir le frigo. Tu donnais accès aux recettes des spécimens infectés dans la cuisine nourricelée. Mais c'est là en fait qu'on va voir les trucs infectés. Ah, c'est ça, infecté, ok. Donc tu vois, on a plusieurs trucs. Il faut des herbes, légumes et viande. Il doit y avoir un truc genre kangourou transformé, girafe, tout ça. Je vais faire le basique, hein. Je vais faire herbes, légumes et viande pour le coup. Donc, vas-y, je sors le chariot. Hop, herbes et tout ça, j'ai déjà. Donc on va mettre un peu de viandasse ici. Tu sais quoi, je vais mettre tous les trois trucs de viande. Alors on va dire que c'est du porc, hein. Voilà, hein. Ce n'est pas du tout une femme qu'on a clairement découpée et broyée. Non, non, c'est du porc, vous inquiétez pas. Voilà, on fait comme si de rien n'était, hein. Je suis clairement dans le déni, mais c'est pas grave. Allez hop, mets-toi là. Donc on remet tout ça et on va pouvoir commencer à préparer notre première recette d'infecté. Et on va sûrement voir notre première infecté. J'ai trop peur. Je sais pas comment le mec il fait pour garder son calme. Et moi j'ai vraiment les boules là. Alors, préparer, c'est parti. Ah, ingrédients suffisants, il manque un truc. Il manque des légumes, ok. Juste ici. Ok, c'est bon. Normalement j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la fameuse recette. Ça aura pris un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Au moins on sait que tout est prêt. Après il y aura plus qu'à y aller comme on dit. En avant Simone. Et on est qui part. En tout cas j'ai vu que vous avez pas mal apprécié le jeu et ça me fait vraiment plaisir. Du coup bah voilà, on continue l'aventure évidemment. On fera l'aventure complète ensemble. Est-ce que je peux enfin préparer, c'est bon, let's go. Alors il faut combien, la moitié plus ou moins j'imagine. De toute façon je vais prendre la décope maintenant. Bon, ça les légumes c'est ok, on va passer maintenant à l'herbe. L'herbe j'imagine que c'est la moitié aussi également, hein. Ah non, quand même il faut pas mal, je dirais plutôt ça. Voilà, hop, quasi 85%. Et maintenant on va faire la viande. Première fois qu'on découpe de la viande, ça me dégoûte en vrai, c'est dégueulasse. La viande c'est, il en faut pas mal aussi, donc je dirais comme ça. Et là ça me paraît bon, c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut, accepté. Voilà, la nourriture est prête. Donc là, on va pouvoir nourrir notre premier infecté. La question, c'est où se trouve un infecté? Ça, je sais pas du tout en vrai de vrai. Hein. Dans le doute, je vais quand même regarder mes trucs de quête. Vérifier l'enclos. Je pense que je vais tomber dessus à un moment donné. Attends, parce que ici, tu vois, girafe, gorille, on avait fait, au final, on l'avait soigné. Peut-être que je devrais aller voir les Walibi, hein. C'est les kangourous. Et on sait qu'il y a un kangourou infecté, donc on va aller voir là-bas et on verra bien. On verra bien si c'est un kangourou zombie. Ok, 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 ok. On est arrivé, mesdames, messieurs. Il y a des nouvelles tâches. Bon, c'est un classico classique. De toute façon, vous le savez, hein, je vais avoir besoin de monsieur le chariot, donc je vais déjà le sortir. Peut-être qu'entre-temps, on va m'appeler. Le petit chariot, viens avec moi, mon petit père. Lui, c'est vraiment notre meilleur pote, hein. On a vraiment accès à tout ce qu'il faut sur lui. On l'emmène, on va aller voir les Walibi, on va aller voir les kangourous. Ça va être génial en vrai de vrai, parce que moi, je crois que c'est des kangourous, hein, les Walibi. Par contre, je sais pas du tout quelle est la durée du jeu. Je sais pas combien de temps il dure. Moi, de toute façon, je vais faire ça à mon aise, hein, vous le savez. Moi, j'aime bien prendre le temps pour vraiment découvrir un maximum de choses. Allez, on va ouvrir l'enclos. Et on va aller voir un petit peu comment s'appellent nos kangourous déjà. Il y en a 4. Penny, Sally, Amy et Wally. Ok, bah on va faire connaissance. En espérant qu'il n'y ait pas un infecté là. Salut les potes. Ça va les gars? Alors ça c'est ami, hein, ça va, je peux te caresser ou pas? Mais bien sûr je peux te caresser, allez. On met en confiance bien évidemment. En plus je viens d'avoir un petit succès. Magnifique. Ils sont beaux en vrai, hein. Bon, le jeu est beau dans tous les cas, le jeu est vraiment beau. Et attends, attends, reviens, reviens, reviens. Moi je veux faire connaissance avec tout le monde. Ok, vas-y, je te caresse aussi. Et après on va commencer à faire les étapes. Oh, c'est quoi ce bruit là? Il y a un bruit de fou. On va commencer à faire les étapes, on va les nourrir, tout ça. Mais non, mais il faut que je nourrisse l'infecté. Mais j'ai même pas la bouffe pour eux. J'ai même pas la bouffe pour eux, donc je suis obligé en fait de trouver un infecté. Mais c'est lui, il est malade lui. Non, le pauvre, non, il est en train de dormir, ça va, il est en train de dormir. Ouais, comment tu veux que je sache comment nourrir l'infecté? C'est ici qu'il y avait un infecté, je me rappelle. Vous vous souvenez? Dans le trailer, il y avait un kangourou qui sautait comme ça. Limite, ce que je peux faire, c'est voir s'il y en a un qui est malade ou pas. Avant de les nourrir, tu vois, je vais commencer à prendre leur température, faire tout ça, et on verra bien s'il se passe un truc. Mais là, si je leur donne la nourriture ainsi, ça va pas le faire, ça va pas du tout être la bonne nourriture. Donc, ce que je vais faire avant, c'est que je vais prendre ça, déjà. Petite note, voilà, ce sera pour plus tard. Et je vais prendre leur température. Alors, Wally, tant que t'es là, mon frérot, est-ce que toi t'as de la température ou pas? En même temps, j'ai Sally, bah c'est parfait, ils vont être tous les trois là. Alors, il y en a un, il y a Sally qui a de la température. Elle est à 43. L'autre là-bas, il s'est barré juste avant. Lui, il est à 39. Et il reste encore là-bas. Penny, Penny, toi. Ok, donc là, il y en a qu'une qui a de la température pour l'instant. Très bien, très bien. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on va aller vérifier le son ensemble. Alors, le son, le son, le son, le son. Le son, j'ai besoin de ça. J'arrive, les frérots.
est-ce que vous êtes normaux ou pas par rapport à ça? Alors lui il a, lui il est bon, ok, il a 136, c'est dans la norme. Par contre, il y en a un qui va jusqu'à 1000 et tout, c'est qu'il y a un problème. C'est lui qui a un problème de température et ça se voit qu'il est agité. À tout moment il se transforme, hein. À tout moment il se transforme lui. On va faire les autres, on va faire les autres. Attends, il faut que je fasse lui aussi, mais lui il a l'air agité de fou. Ils sont plusieurs à être agités en vrai. Ah, oh, lui il a un problème de son, il a un problème de température. Faudrait que j'arrive à lui faire une prise de sang, mais j'arriverai jamais, il va falloir que je fasse des tranquillisants. Attends, à moins que... C'est bon, je vais lui faire une prise de sang, c'est parfait. What? Il a été infecté, regardez. Il a un truc au-dessus. Je tenterai de donner la nourriture ou pas? Mais lui, il est déjà infecté. Donc c'est mort, ouais, il faut que je le nourrisse. J'ai pris son sang. Mais attendez, je vais remplir le bac de nourriture pour voir s'il réagit, lui. Attends, on va voir, j'espère ne vraiment pas faire... de gâcher un truc, là. Je vais tenter d'aller mettre la bouffe. Je range ça là. Je prends ça. Alors c'est risqué, hein, parce que ça va pas nourrir les autres, du coup. Mais on va voir, attends. Si je mets ça là-dedans, quoi ça ressemble déjà à la tête, tout ça. Ouais, ça ressemble à des vomis, hein, concrètement. Venez les kangourous. Ils mangent. Ah, il y a un mélange de plein de choses. Lui, c'est lui qui va manger, non? Lui, il est infecté. Écoute, il mange et on verra bien ce qui se passe. Ok, s'il faut, je referai de la nourriture. Mais j'espère ne pas me rater. Oh, oh, ils aiment pas. Ils sont infectés. Non, les gars, j'aurais pas dû leur donner ça. Forcément, c'est des herbivores à la base. Je suis désolé, les gars, je suis désolé, vraiment, je voulais pas. Bon, on va continuer de faire ce qu'il faut faire, ok? Là, on va dire que je les ai nourris. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va faire des prises de sang. Oh, j'ai trop peur qu'il y en a qui se transforment. J'ai trop peur. Faut que j'arrive à tous les... Voilà, hop, tous leur prélever du sang. Donc lui, tu vois, il est pas infecté. Bon, c'est pas grave, au pire, je les aurais mal nourris. On les renourrira, mais j'ai nourri l'infecté. Je vais voir s'il y a moyen de le sauver ou pas, s'il y a moyen de le soigner. Sinon, j'aurais peut-être dû garder la nourriture et attendre de voir un enclos où il y avait un infecté. Donc là, lui, faut que j'arrive à le prélever aussi. Voilà, viens mon frérot. On prend ton sang. On commence à avoir l'habitude de toute façon. Voilà, ça fait pas mal, t'inquiète, hein, t'inquiète. Papa Frit, il est là, il va prendre soin de toi, mon refton. Bon, lui, ça va, il est calme. Il en manque plus qu'un petit dernier et j'aurai le sang de tous les kangourous. Voilà, c'est elle qui me manquait. Il me manquait ici, Wally. Bon, Wally, c'est bon. Je prends ton sang. Oh, la nuit commence à tomber. Oh, la nuit commence à tomber. Oh là là là, ça, à tout moment, ici, peut y avoir un infecté, je pense. Ah mais la nuit est tombée en fait. Faut vite que j'aille analyser le sang. Donc, on ferme vite l'enclos ici. Allez, parce que je commence un petit peu à stresser. Tu vois là, il y a un problème, etc. Et ça, pour pouvoir analyser ça, je pense que c'est les crottes, hein. Et je suis pas sûr que ils ont fait leurs besoins déjà. Donc je vais d'abord aller analyser le sang et on voit ce qui se passe. Parce qu'il y a clairement une anomalie, c'est certain. Je récupère ça. Il y a clairement une anomalie avec un des Walibi. Ça on le sait. Ah mais il y a plein de trucs ici. Et ça c'est quoi? What? Ok. C'est pour lire un message. Attends, lorsqu'il se retourne, la viande peut les calmer. Mais je viens de l'utiliser, moi, ma viande. J'ai trop peur. Oh là 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 là, j'ai trop peur. Ok, bon, vas-y, on laisse ça. Je vais essayer de me débrouiller, hein. On va récupérer ça. Parce que j'ai besoin vraiment d'un maximum de produits. D'ailleurs, ici, hop. Il y a encore de nouveau une astuce, je pense. Allez, mets ta disquette. J'ai enfin trouvé un moyen de guérir ce satané mutant avec les médicaments expérimentaux. J'ai trouvé l'accès sur le PDA de CJ. On dirait que c'est un type important ici. J'ai injecté au mutant du Toxicus Feralis et cette merde a vraiment marché. Excellente nouvelle, au fait, il semblerait que les mutants puissent imiter différentes maladies. Je vais garder un œil dessus. Toxicus Feralis, c'est ça que je devrais faire, je pense. En tout cas, peut-être pour les kangourous infectés. J'ai peur de revenir et que le kangourou il est transformé. Donc le sang, on le met ici. Il y a forcément une infection. Je vais voir si je peux le soigner, honnêtement, je le soigne. En vrai de vrai, on verra ce qui se passe après. Si je veux le soigner, je le soignerai. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui cloche avec notre cher Wally? Problème de température, problème au niveau du son et problème au niveau du sang. Donc lui, ce qu'il a en gros comme maladie, c'est la septicémie. Qu'est-ce que ça fait? La septicémie est une infection dangereuse causée par une infection qui entraîne des lésions des tissus, une défaillance des organes et la mort. Attends, mais si je le sauve pas, il meurt. Qu'est-ce que je pourrais lui faire comme remède? En vrai de vrai, il doit bien y avoir un truc. De toute façon, il me faut forcément un triple. Il me faut clairement un triple. Ça... causé par la pestis, je crois que c'est ça. Parce que lui, s'il souffre de pestisani, je sais pas quoi. Vas-y, je crée ça et on voit. Mais pour moi, c'est ça en vrai. J'espère vraiment pas me tromper là. Si je peux le sauver, je le sauve. Il faut que j'aille chercher le pistolet. Pistolet. Vite. J'ai trop peur qu'il se transforme. Puis j'ai mis la viande alors que j'aurais jamais dû. Le pistolet, il est là. Je prends ça et je vais le recharger avec ça utilisé. Allez, c'est Wally hein, qui a un problème, il me semble. Vas-y, j'ouvre et je vais aller lui faire l'injection. Ah non, c'est pas Wally, c'est Sally qui a un problème. C'est Sally, elle a un gros problème. Sally, t'es où Sally? Sally, non ça c'est Wally. Ça se ressemble mais c'est pas ça. Oh parfait, Sally elle dort, regardez, vite. C'est parti, let's go. Ça va aller mieux ou pas, ma grande? Normalement je t'ai injecté une dinguerie là. Ça devrait te soigner. J'ai l'impression que ça a rien fait. Attends, j'ai l'impression que ça a rien fait. Peut-être que finalement j'aurais dû analyser des crottes et qu'elle avait encore une maladie. Puis vénère, voilà.
Qu'est-ce qui se passe? Eh, Sally? Ça a rien fait? Ça l'a pas soigné? Pourtant, je dois injecter un truc, pour moi c'était good. Qu'est-ce qui va pas? Elle va se transformer, c'est sûr. Oh. Les autres vont bien, mais là il y a un problème. Je vais voir si je peux pas aspirer avec l'aspirateur. Est-ce qu'il y a moyen? Mais le truc c'est qu'ils ont pas bien mangé en fait. Ils ont pas bien mangé, donc au final ils vont pas. Ils vont pas chier, tu vois. Ah non, j'ai pas réussi à la soigner. Ici ils ont pas lâché des bouts d'air, mais y'a rien, y'a rien. C'est bizarre, l'aspirateur il a servi qu'au tout début quand le mec nous a expliqué le tuto, mais on a pu réutiliser depuis. Ce qui fait que là je sais absolument pas comment l'aider en fait. J'aurais dû les nourrir normalement, j'aurais dû faire un truc à base d'air. Après je pense que je vais le faire en vite fait hein. Je vais faire la nourriture des kangourous et on verra bien. Je vais essayer de me rattraper en fait. Attends, on fait ça. Là il faut seulement un petit kilo, donc vraiment pas grand chose. Voilà, j'espère que le reste on le garde hein, et qu'on le jette pas. Donc j'accepte. Terminé, la nourriture est prête. Maintenant vous savez ce qu'il nous reste à faire. Il n'y a plus qu'à retourner voir les kangourous. Allez Walibi, c'est parti. Oh là là, j'espère qu'il est pas trop tard en vrai hein. En fait je lui ai mis le remède. Mais je pense que il faut que j'arrive à avoir des excréments parce qu'il doit être infecté, mais plus, tu vois. Là, j'ai tenté de faire un remède, mais ça tombe, il est infecté de partout. Et il faut encore un truc différent, tu vois. On va voir. Mais j'ai stressé quand ils ont dit la mort et tout, ça m'a fait trop peur, en fait. Mon but, c'était vraiment le sauver. Allez, on sort le chariot. Vite. Oh, j'espère qu'il est pas trop tard. Allez, on se dépêche. Let's go. Eh, hey, quel métier en vrai, hein. On voit des femmes à moi, elles se faire littéralement broyer. Oh. Il est où? Oh, il est là! Non, comment je fais? Bah, je suis mort. Je suis foutu. Bah, j'ai pas réussi à temps. Donc, je suis tellement foutu. Là, il faut un truc de viande. Faut que je repousse le chariot. Vite. Faut que je repousse le chariot. Faut que je fasse un truc de viande. Je fais quoi? Je tente de donner la nourriture au Walibi ou pas? Est-ce que je tente ou pas? Je suis un malade, je tente. Vas-y, je vais tenter, en vrai, je vais tenter d'amener la bouffe. Je sais que c'est risqué. Je prends la bouffe. Et ensuite, je retourne dans le train. Je m'occupe un minimum des autres Walibi. On va voir, c'est tellement risqué ce que je fais, frérot. Et je pense qu'il a dû ouvrir la porte. Ouais, la porte est ouverte. Oh, vite. Oh non, il est là. Quelle horreur. Au secours. Vite. Il va pas me graille. Tiens, de la nourriture, il y a pas de viande dedans, mais c'est pas grave. On y va. Là, il faut le tuer à ce stade-là, il faut le tuer. Allez, on se dépêche. Je peux pas fermer. Si, je peux fermer, je pense. On ferme, vite. Faut que je l'enferme ici. Je peux pas. Il m'empêche. Vite. C'est stylé, à la fois c'est effrayant de fou. Ah mais c'est ça, c'est ces petits cures. En fait, j'ai fait un mauvais remède tout à l'heure. Mais là, c'est bon. On va pouvoir l'aider. Donc, je récupère ça. Je vais récupérer le pistolet. J'insère le truc et je vais le sauver. Allez, on se dépêche. Inventaire. C'est ça qu'il me faut. Ok. Sally, pitié que tu sois pas mort, Sally. Je t'en prie, Sally, je t'en prie. Là, Sally. Tiens, Sally. C'est bon, je l'ai guéri. Let's go. Oh, les autres, ils sont morts, mais j'ai réussi à le sauver. Manipuler le mutant Macrobucus. Mais ils sont marrants, ou comment je suis censé faire ça? J'aimerais bien le tranquilliser, mais je pense que c'est mort. Je vais pas pouvoir faire quelque chose avec ça. Je vais sur le PC. Quelles sont mes possibilités? En vrai, injection létale. En vrai, je vais faire ça, hein. Je pense que ça va le... soit l'évanouir, enfin le chaos, soit ça va le tuer. Mais là, je vois vraiment pas ce que j'ai comme solution. Donc je tente ça et on verra bien. De toute façon, j'ai pas envie de garder ces créatures, moi, je te mens pas. Il a tué tout le monde, c'est pas ça que je voulais prendre. Eh ben, j'avais déjà le pistolet, c'est parfait. Enfin, le pistolet, la seringue. Je tente ça et puis on voit. On voit ce qui se passe. Là, frérot, c'est le moment de crever. Wouh! Macronibucus! Tiens, mon pote! Boum! Terminé! Ah, il a pas l'air d'apprécier! Ouh, non, il a perdu un cœur! Il va m'attaquer, ouais c'est ça, il faut que je lui balance plusieurs injections. C'est ça en fait qu'il faut que je fasse. Allez, commande. Encore deux et on se débarrasse de cette créature. Injection létale, créée. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Du coup, si on s'en débarrasse, on met. Mon pote, t'es où maintenant? Faut pas que je me rate. Là. Faut pas que je me rate. Tiens, mange. Boum. Ok, encore, il a perdu encore une vie. C'est le moment jamais. Si j'ai assez de produits, c'est bon, on peut s'en débarrasser. Ah mais il est pour toi mon petit Walibi, hein. Allez hop, on prend ça. Je le remplis au cas où il viendrait m'attaquer ici. Près de mon train. Viens, je t'attends. T'attends, mon pote. J'arrive. Je vais pouvoir enfin te dézinguer. Il est là. Oh non. Il tue le kangourou. Non. Salaud. Je me suis raté. Non. Putain, j'ai échoué. Je me suis raté en plus sur mon tir. Non. Je sais pas si je vais avoir un game over. J'ai raté mon tir en fait. Je crois qu'il n'y a pas distance illimitée. En plus, je l'ai soigné et tout. J'ai trop la mort. Vas-y, là, je vais le tuer. Je vais m'en débarrasser. J'ai trop la mort, frère. J'en aurai peut-être plus pour le reste des monstres. J'ai trop la rage. Le pire, c'est que ça s'est joué à pas grand chose. Je sens qu'il s'est vénère parce que je lui ai enlevé deux cœurs de vie. Il a été se venger. Non, il est là. Il sait que je veux le tuer. Il sait. Viens.
Viens, sale fou. Ouais, tu vas aller là-haut, t'es sûr? T'es sûr que tu vas aller là-haut? Viens! C'est terminé, voilà, meurs! Meurs, saloperie! C'est bon, mère à ça, toutes les tâches t'ont raté. Les deux cils maintenant, il meurt, c'est bon, je l'ai eu. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme ça que je te purifie, moi! C'est bon? C'est bon, je l'ai eu. Oh là là, je l'ai eu. Magnifique. Mais sauf que tout le monde est mort. Tous les kangourous sont morts. J'aurais une fin dégueulasse, hein. Faut surtout pas qu'il arrive la même chose aux autres animaux, en fait. Mais c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Mais tu vois, si je regarde les tâches, j'ai un message. Nous allons livrer de la viande fraîche. Dirige-toi vers le hub. J'ai tout foiré. Ils sont tous morts. Même Sally. Là, on a Ami. Oh là là. Bon, bref, de toute façon, j'ai pas réussi à les sauver. Là, je suis dégoûté. Parce que le jeu continue, en fait. Y a pas de game over. Le jeu continue littéralement. Donc, si tu échoues et qu'ils meurent tous, bah, c'est fini. Donc voilà, j'aurais pu éviter peut-être ça. Et je l'ai pas fait. Et je dois garder ça sous ma conscience. Oh là, oh là, oh là. Je vomis encore. C'est pas possible. Je suis encore en train de dégueuler mes tripes, frérot. Ouais, ouais, je sais. Tu commences à t'énerver. Regarde ça, mes bras et tout. Je commence à avoir des vieilles pustules sur les bras. Ça t'écoute, ça. Vas-y, j'avance. On va aller chercher la nourriture. J'aurai peut-être un appel entre temps. Je suis dégoûté de pas avoir pu les sauver. J'ai trop la mort. En plus, j'ai usé tellement de ressources et tout. C'est dur en vrai le jeu, hein. On se rend pas compte, mais c'est vraiment dur. Allez, je retourne au web. Trop la mort. Du coup, il faudrait que je m'occupe des pingouins. Les pingouins, ils doivent manger des poissons, eux. Bon, allez, on va web. Et les autres trucs, on débloquera plus tard, je pense. On débloquera clairement plus tard. Aïe. J'espère que ça va mieux se passer par la suite, mais là c'est bon, j'ai commencé à capter comment fonctionnaient les trucs d'infectés. Donc ça devrait aller en vrai. Je vais m'occuper des pingouins en mode normal, pour le coup. Et bah, du coup, il va falloir réceptionner la viande qui est arrivée. Une femme ou un homme cette fois-ci? Vivant ou mort? Et bah, c'est un homme, ok, très bien. C'est vraiment horrible, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est horrible. En plus, ça va, il est KO pour l'instant. Il est peut-être déjà mort, ça m'arrangerait. Ouais, il crie pas alors que la femme était vivante. Lui, pour le coup, soit on l'a endormi, soit il est mort. Mais c'est juste horrible. C'est vraiment horrible. Attends, je vais ranger mon truc là. Bon, moi, j'ai de nouveau de la viande. Sauf que les pingouins, eux, ils mangent des poissons. Hein. On va aller voir les pingouins, en vrai de vrai. Alors, pingouins. Ouais, eux, c'est juste du poisson. Donc, ce que je vais faire, c'est juste que je vais bien remplir le chariot. Je vais mettre poisson et de quoi faire de la nourriture d'infecté au cas où. Voilà, c'est bon. En même temps, je récupère ça et je vais les stocker. Et c'est tout un travail, hein. En vrai, on se rend pas compte, mais c'est tout un travail, mine de rien, de faire tout ça. Hein. On met la viande, ok, prends ce bloc-là, et on met la viande aussi. Parfait. Maintenant, il me faut juste du fish. Ça, c'est le seul truc que j'ai pas encore utilisé jusqu'à présent. Et voilà, de la poiscaille pour pouvoir nourrir les pingouins comme il faut. Je vais en mettre deux, comme ça, on sait qu'on a largement assez. Allez, en avant, Simone. Bon, les pingouins, ça va aller vite. On va faire tout le nécessaire, température, tout ça, ça devrait aller assez vite. On rentre ça, et d'ailleurs je vais déjà remplir hein, le truc des pingouins, comme ça je peux les nourrir instantanément, dès que j'arrive en fait sur place. Allez, pingouin, préparé, let's go, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un bon 2 kilos, donc 2 kilos je dirais ça, voilà. Comme ça on n'est pas trop dans le bloc de poisson, on en aura encore un petit peu en rab, donc j'accepte. Ça c'est bon, maintenant que cela est fait... On se casse les amis et on va dans l'enclos des pingouins. Pas encore vu d'ailleurs, avertissement. Le filtre à biodéchets est bouché. Mais non, je dois faire quoi maintenant frérot? Filtre à déchets? Ah c'est ça en gros. Ok bah tu m'étonnes, ça doit être bien. Ah, c'est quoi ce truc frère? Ils l'ont fait exprès, c'est à cause de ça en fait. Il y avait une main dégueulasse. Ah oh, ça me dégoûte, il y a une main qui a été mal coupée dans le bloc. Et il garde ça sur lui genre? C'est une blague? La main tranchée. Je fais quoi avec ça? C'est un trophée, genre? En vrai, je garde ça comme un trophée. C'est limite, je dois être heureux d'avoir eu ça, en fait. Bon, vas-y, on peut y aller, je pense, maintenant, en vrai. On peut aller voir les pingouins. Pingouins, là-bas. C'est parti pour les pingouins. J'espère que tout va bien aller avec eux, parce que là, on se sera tapé le Walibi. Il aura tué tous les Walibis. Donc là, on va avoir un zoo sans kangourou. Mais au moins, on s'est débarrassé déjà d'un démon. Allez, on va dire ça comme ça. Mais j'espère pouvoir sauver les pingouins. Peut-être qu'on va avoir un infecté à chaque fois maintenant. Mais bon, je vais avoir plus d'expérience. Donc... Je pourrais au moins sauver un pingouin. Il le faut. On est en train d'arriver. Allez, je sors déjà le chariot et je vais l'amener. Et en même temps, je vais pouvoir récupérer, je pense, aussi des nouvelles fioles pour de prochains remets tranquillisants. J'en ai usé pas mal, mine de rien. Et ça va être sympa parce que là, on va être sur un biome forcément de glace. Et on est bon. Combien ils sont et comment est-ce qu'ils s'appellent? Voyons voir un peu. Alors, les pingouins. Ouais, il y en a blindé. Daisy, Luna, Coco, Tinker, Misty, Rookie. Eh ben, il y en a un sacré paquet, hein. Oh là là, laisse tomber. Il va falloir tous les nourrir là. Ça va, les gars? Ils sont marrants, ouais. Ça va les frérots? Ouais, ils sont contents de me voir. Ils sont contents. Ouais, j'arrive les gars, je vais vous nourrir. Waouh, c'est trop stylé, la grotte de glace comme ça là. C'est incroyable. Je peux même carrément monter sur les escaliers ici et faire la petite glissade. Alors le bac des pingouins, où est-ce qu'il est? Il est là-bas. J'ai de la bonne mixture de poisson pour vous. Et du caviar en plus. De premier choix. Allez hop. Je sais pas si ce sera suffisant pour qu'ils puissent tous se nourrir. S'il faut, on leur fera. Regarde ça, ils sont blindés quand même. Et pendant qu'ils vont manger, moi je vais commencer à...
à prendre la température tout le monde. Tant qu'ils sont tranquilles sur place, si ça pouvait bien se passer, ça m'arrangerait. Alors, attends. Voilà, on va tous les avoir comme ça, là. Ils vont tous rentrer dans le champ. Attention, allez, au moins un ou deux. Bah là, ça va, je vais en avoir beaucoup. Plus ça va, lui, ça va. Les deux là-bas, ceux là-bas, on va voir. Ok, il y en a un autre qui, lui, ça va. Misty, ça va aussi également. Oui, oui, vous êtes contents, les gars. Je sais, vous êtes grave contents, c'est normal. C'est de la bonne bouffe. La tâche est terminée, c'est bon? Ah ouais? J'ai la température de tout le monde? Oui, oui, frérot, calme, 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 calme. Pourquoi ils s'excitent comme ça, là? Ils ont tous chié, par contre. Voilà que je prenne l'aspirateur à merde. Attends, non, non, c'est pas encore terminé. Vraiment que je prenne la température de tout le monde. Voilà. Oui, 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 du calme, du calme. Allez, ils sont tous là. Regardez, ils se mettent dans des petits trucs là. Sorte de petits récipients, c'est marrant. Je sais pas pourquoi ils font ça. Bon, écoute, on a la température de tout le monde. C'est magnifique. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ramasser les crottes et on va analyser ça pour voir s'il n'y a pas de problème avec ça. Donc vas-y, je place ça. Et on va vite faire aspirer la derme. Parce qu'on a vraiment un bon paquet là. Hein. Allez hop, il y en a ici. Ça c'est bon. Où est-ce qu'on a d'autres? Ils sont vachement calmes. En vrai, ils sont méga sages, je trouve. Là, là, il y a encore de la merde. Voilà, on récupère. Et je pense qu'en vrai, on est bon. Hein. J'avais juste vu deux tas. Ok, on est bon. On va l'analyser ça et on va voir un peu. Et d'ailleurs, je pourrais peut-être en profiter également pour leur faire les prises de sang. Tant qu'à faire. Oh, ça, je prends. Ouais, je pense que je vais leur faire les prises de sang. Tant qu'ils sont tous bien calmes. Ça, j'aurai leurs excréments. J'aurai également prise de sang, tout ça, tout ça. Ça me paraît bien. Voilà, tu vois, tant qu'ils sont immobiles, je vais essayer de leur prélever leur sang. Donc toi, je te prends. Par contre, il a une tache violette. Je sais pas si c'est une infection ou pas. Il faudra que je regarde avec la caméra spéciale. Ok, toi, frérot. Ah non, c'est leur couleur en fait de base. Ok, je comprends. Tu veux toi que je prenne du sang? Allez, je prends ton sang, mon pote. Tu m'en diras des nouvelles. Les pangolins sont vraiment nombreux, donc je pense que ça fait partie des enclos les plus complexes. Comme ils sont vraiment nombreux. Toi, j'ai déjà pris. Non, elle, j'ai pas encore pris. Allez, Daisy, laisse-toi faire. Je prélève ça, donc ouais, après on ira analyser tout ça, il faudra que j'analyse aussi peut-être leur son, au cas où pour voir s'il y en a pas un qui a un problème respiratoire ou quoi. Toi, je te plante, il y en a pour tout le monde, pas de jaloux. Ah mais t'as vu mes bras genre, mais mes bras commencent à être infectés de plus en plus, c'est terrible. Oh lui je peux, attends, let's go, tant qu'il bouge pas, on prend, c'est parti. Ah bol le sang, mais j'ai l'impression que les pingouins ils sont en bonne santé, je sais pas s'il y en a un qui aura un problème. Bah lui par exemple, tu vois typiquement, je l'ai pas eu. Au moins... Lui c'est fait, voilà, parfait. Il y en a pas un seul qui a vomi non plus, hein. Donc ils ont vraiment apprécié la bouffe que je leur ai donnée, donc ça c'est cool. Et ils ont chié et tout, wow, ça dégoûte. Sérieusement, ils arrêtent pas, hein. Eh les pingouins, c'est pas une mince affaire, hein. Marvel, bouge pas. Let's go. Je crois qu'ils étaient tous là. Normalement, j'ai le sang de tout le monde. On va aller vérifier ça et je vais nettoyer les crottes. Je vais reprendre les crottes aussi parce que je pense que c'est individuel aussi également, forcément. Mais au moins j'ai le sang. On va voir, de toute façon, il sera mis sur les analyses si on a les 5 ou pas. Je vais aller aspirer ça. Et puis je pense qu'on pourra déjà faire pas mal de choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ranger le pistolet là. Et comme ça, je peux prendre l'aspirateur et je garde le sang sur moi. Donc vas-y, j'aspire ça en vite fait. Donc il y a ici. Voilà, et je pense que j'aurai les 5. On a récupéré deux trucs de crottes tout à l'heure. C'est bon. Faut que je fasse aussi l'analyse du son maintenant pour voir en vite fait. Tant qu'ils sont encore tous là. Heureusement que je commence à maîtriser un petit peu. Alors les revetons. Toi, je te vérifie vite fait. Ok, lui ça m'a l'air d'être ok. Lui, il faut que je l'analyse aussi. Parfait, Misty, ça m'a l'air d'être bon également. Rocky, voyons voir Rocky, 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 Rocky. Ouh, il y a un petit problème chez Rocky. Il y a un petit problème, peut-être chez Coco aussi. Non, Coco, c'est bon, je crois que c'est Rocky qui a un problème. Ok, ouais, 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 c'est clairement Rocky qui a un petit souci. Attends, il manque lui aussi. Luna. Ok, c'est bon. Tu vois, là, la tâche est terminée. Donc là, il faut que j'analyse le sang et les crottes et on aura tout ce qu'il faut. On aura clairement tout ce qu'il faut. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais fermer l'enclos. Mais ça va, je pense pas qu'il y aura d'infectés ici. Donc je peux... En fait, je pourrais le laisser ouvert, hein, l'enclos, mine de rien. Enfin, dans le doute, je vais le fermer. Et je vais ramener le chariot pour analyser et le sang et la crotte. Comme ça, on voit ce que je peux faire comme remède pour essayer de le sauver, le refton. Parce que là, c'est bon, j'ai eu de la peine avec les kangourous. J'aimerais bien éviter de perdre les pingouins, quoi. Donc la crotte, ça, il faut que je mette ça là-dedans. Voilà, en même temps, comme ça, ça le nettoie pour une prochaine fois. Donc la crotte, c'est bon. Et le sang, je l'ai sur moi. Alors le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Le sang, je mets ça là. Et on va voir, on va analyser. On va voir leur état. Ok, ok, ça s'est bien passé là, en vrai de vrai. Vous trouvez pas? C'est très très bien passé. Alors voyons voir ce qui se passe avec lui. Diagnostic. Ouais, donc c'est lui qui a un problème. Problème de son, sang et crotte. Je comprends pas, est-ce qu'il aurait automatiquement la peste? Parce que en fait, genre, il n'y a pas de
de son avec seulement la crotte et j'ai l'impression que je suis obligé de faire le truc de la peste, c'est ce qu'il y a de plus complet. Je pense que je vais faire ça anti-parasitaire, c'est ce qu'il a, il a des parasites. Vas-y, je crée ça. Donc vas-y, on verra bien, de toute façon on va tester et si ça marche bah tant mieux, si ça marche pas je teste l'autre et on verra. J'espère que... Oh non. Non, 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 il y a le pingouin maintenant. C'est bon, on a le pingouin. Il faut que j'arrive à soigner l'autre. Il faut que j'arrive à l'injecter et le soigner. Mais pour ça, j'ai besoin... Mince, le chariot, je l'avais ramené. J'avais ramené le chariot et j'ai pas pris le pistolet. Il faut que je me dépêche. Et l'autre, il faut que je m'en débarrasse. Sinon, il va tuer tout le monde et c'est terminé, c'est fin du game. Mais il faut que je soigne l'autre avant. Vite, 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 vite. Après, si je donne la main, ça peut peut-être faire quelque chose, non? Je sais pas. Ok, Rocky, Rocky, t'es où? Rocky, frérot, Rocky. Rocky, il est là. C'est bon. Rocky, c'est bon, ça l'a marché, ça l'a aidé. Maintenant, vite, injection létale. Il est en train de tuer. Vite, vite, attends. La main, la main, la main. Rien faire, il va tuer les pauvres pingouins, ils ont peur, vite, 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 vite. Il faut une injection létale à balle, là. Il faut une injection létale à balle, que ça le calme directement. Moi, je m'en fous, je les tue maintenant. J'ai pas envie d'essayer de les apprivoiser, je les fume, frérot. Tu comprends ça? Je les fume. Fabrication, injection létale. Allez, je peux en avoir plusieurs ou pas? Ah ouais, je peux en faire plusieurs. Mais c'est un gain de temps énorme. Mais ouais, je savais pas. C'est ça que je dois faire en fait. Et ouais, je dois en faire plusieurs en même temps, mais oui, je peux les stocker. Ah voilà, maintenant que je deviens un expert, on va pouvoir rigoler maintenant. On va pouvoir rigoler. Et je peux toutes les mettre en plus, magnifique. Donc là j'en ai trois, c'est pour ça que j'ai perdu tellement de temps. Mais je savais pas qu'on pouvait en avoir plusieurs comme ça. Donc faut que je me débarrasse du pingouin là. Vite, 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 vite. Il est où? Il est au sumet, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il faut qu'il se pose. Il faut qu'il se pose quelque part. Même pas, je le nourris, je le tue, frère. Moi je suis là pour purifier ce zoo. Allez, allez, allez. Il est trop fort, il vole en fait, c'est ça le problème. Non. Attends. Pose-toi, pose-toi, il s'était posé, c'était ma chance. Il s'était posé. À un moment donné, il se fatigue, je pense, un minimum. Allez, allez, pose-toi. Il va peut-être commencer à m'attaquer quand je vais lui tirer une bastos. Il sait, je vais lui tirer dessus. Tiens, boum, ok, parfait. J'en remets une munition. Encore deux cœurs et on l'a terminé. Allez, 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 je vais sauver tous les pingouins, vous allez voir. J'ai sauvé tous les pingouins, j'ai sauvé Rocky, c'est pas pour rien, tu vas voir. Vas-y, crie autant que tu peux. Ça va te faire du bien. Ah, il va dans l'enclos. Tiens. Ok, c'est bon, nickel. Vite, 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 vite. Je sais, t'aimes pas. Non. Pas que je meure. Non. Oh non. Il m'a embarqué. Au secours. Laisse-moi, frère, il veut me noyer. Non, comment je fais pour me débarrasser? Attends, il m'a fait tomber. C'est pas grave. Je pense que je dois avoir de la vie aussi. Ah, mon avis, je vomis. Il m'a infecté en fait. Il a accentué mon infection. Il est là. Je vais l'avoir. Je vous le dis, je vais l'avoir. C'est juste que j'ai pas eu le temps de mettre ça en fait. Voilà, allez, on recharge. Il tue un pingouin, je crois. Là. Attends. Boum, c'est fini. C'est terminé, c'est ciao. Je crois que j'ai sauvé les pingouins. Let's go, j'ai sauvé tous les pingouins. Allez, tu as guéri tous les animaux. Let's go. Je voulais trop me venger par rapport au Walibi. C'est bon, je l'ai eu. Fumier, va. C'est bon. C'est ciao maintenant, le pingouin. Ouh, ok. Je dois faire quoi avec ça? Je dois récupérer le... Le parasite? Jamais. Ah, tu vois? Si, je me disais bien. Parce que je me rappelle, il y avait un logo de parasite, je sais pas quoi, au niveau du train. C'est pour l'examiner. Et essayer de l'étudier, peut-être. Parfait, ça, regarde, je dois le mettre là-dedans. Eh oui! C'est ça, le symbole du mille pattes. C'est les vieux aliens. Voilà, dégage, frère. Au moins, je suis sûr que les pingouins, c'est bon, ils sont tranquilles. Ils auront pas de problème. Bon, bah, maintenant que cela est fait, ça va sauvegarder déjà, premièrement. Je vais ranger le chariot. Et on repart au hub. Et puis, je pense qu'on est bon, hein, pour cet épisode. Parce que là, on aura fait les Walibis, ça a très mal fini pour les Walibis. Mais au moins, les pingouins, je les ai sauvés. Je suis content. J'ai bien sauvé les pingouins. J'ai réussi à récupérer l'extraterrestre bizarre, là. Donc, je trouve que je m'en suis bien sorti. Et, oh. Hey, Paul. Tu es là? Ouais, toi, je commence à avoir des hallucinations. Waouh, là, je commence vraiment à devenir bizarre, là. Paul, j'ai apporté le petit déjeuner. La viande que tu m'as donnée est incroyablement délicieuse. Gina, on mange. Attends, mais ça va trop vite, là, les dialogues, là. J'ai pas le temps de lire. Ah, quelqu'un est arrivé. Bonjour, vous travaillez ici? Et qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir. Mais attends, mais elle est vraiment là ou elle est pas là? Je comprends pas, elle est vraiment là? Non, elle est pas là. Attendez, mais ils sont en train de faire quoi, ma femme? Et moi, je suis pas en état, là. Oh, mais c'est lui. Bonjour, Paul. Comment s'est passée la nuit, hein? Il est temps de nourrir la mère. Oh là là, il m'a fait un kick. Ne dis pas que c'est moi. Réveille-toi, Paul. Mère aime que sa nourriture s'agite. Vraiment, Paul, tu ne pensais pas qu'après tout ce que tu as vu, je te laisserais partir? Attends, mais c'est quand même pas à la fin. C'est quand même pas à la fin, en vrai. Oh, on dirait que mère a particulièrement faim aujourd'hui. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Hein? Oh! Au revoir, Paul. Bon appétit. Et attends, mais je fais comment? Ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre fin que ça. Mais what?
Attends, j'ai fini ? Mais non. Paul n'a pas sauvé le journaliste, il n'a pas prévenu Lily de l'origine de la viande, et sa visite avec un repas à base de cette viande lui a été fatale. Lily est tombée dans le piège de Doc, tout comme Paul. Mais quoi ? Non ! En mémoire d'Alexander Daga, le scénariste Zucosi, c'est notre cher ami de la part de Clapperheads. Attends, mais... Du coup, c'est terminé, en gros ! Mais je pense qu'il doit y avoir d'autres fins. Et là, j'ai eu une mauvaise fin, et donc j'aurais peut-être pu éviter ça. Je vais quand même attendre la fin des crédits, mais il y aura forcément d'autres épisodes, je pense, les amis. Parce que là, à mon avis, c'est pas normal, tu vois. C'est pas normal que ça se finisse comme ça. Il doit y avoir d'autres fins, et je me renseignerai. Tu vois, un nouvel animal est disponible, voilà, tu vois. On a des trucs à débloquer maintenant, on a des nouveaux trucs débloqués. Ok, bah écoute, stylé, un nouveau jeu, hein. Nouveau jeu plus. Bah écoutez, on découvrira ça, les amis, dans un prochain épisode. En tout cas, j'ai grave kiffé, là, parce que là, on est vraiment entré dans le côté horreur. Avec les infections, tout ça, et la fin là, on m'a donné en pâture à la mer, abusé, j'ai vraiment trop envie d'avoir une autre fin, parce que là c'est une fin qui me plaît pas, tu vois, c'est stylé, mais ça me plaît pas. Bref les amis, j'espère que vous avez kiffé en tout cas cet épisode, si c'est le cas, dites-moi tout ça dans les commentaires, laissez un like, abonnez-vous, activez la cloche notif, et vous le savez, on se retrouve très vite de toute façon pour plein d'autres vidéos, et normalement pour encore du Zucosis, ce jeu incroyable. Bref, prenez soin de vous les BG, ciao ciao.